Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournée des Champions. On se retrouve les amis après quelques temps, c'est vrai, pour une nouvelle ouverture de cristaux. Il s'agit cette fois-ci des cristaux de héros 5 étoiles. Vous avez vu dernièrement, j'ai eu vraiment de la chance, de la baraka, comme j'aurais pu dire sur l'épisode 59. Donc là maintenant, mon objectif, maintenant que j'ai sécurisé plusieurs champions de très haute qualité en tant qu'attaquant, j'aimerais maintenant me jeter... partir en quête de bons défenseurs pour renforcer ma défense en garde d'alliance qui pourrait aider justement à faire buter les attaquants adverses sur notre défense et nos nodes où nous plaçons tous nos défenseurs. Et donc bah, je vous retrouve là les amis pour l'épisode 60. Alors vous voyez, à un moment où je fais cette vidéo, là, il y a énormément de décalage hein, parce que je n'ai pas le temps de publier ces vidéos. J'ai vraiment un rythme au travail qui est un peu un rythme de ouf. J'ai des valises sous les yeux pour vous dire, mais là ça va, ça se calme un petit peu. Je peux faire maintenant des week-ends, j'ai de moins en moins de travail le samedi. Donc tant mieux, on voit peut-être le bout du tunnel au niveau du taf. En tout cas, on va reprendre, je l'espère, un rythme un peu moins soutenu. Donc je vais reprendre aussi un petit peu plus mon activité sur Marvel, en sachant que, mine de rien, à côté de ça, même si j'ai pas le temps de vous proposer des lives, je suis en train de grinder, on est au mois d'août au moment où je fais cette vidéo, je vous précise, au mois d'août 2019, je suis en train de grinder le solstice des héros comme un gros cochon, donc pour ça je vous propose pas de vidéo, parce que je suis vraiment focus sur mon objectif de monter mes armures de gardien, donc pour ceux qui connaissent Destiny, hein, pour les autres, on passe directement à autre chose, mais voilà, donc du coup, je n'ai peu d'activité actuellement sur le jeu, mais ça reviendra, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude avec moi, vous avez des phases où vous me voyez beaucoup, des phases où vous me voyez moins, ou des phases où vous ne me voyez pas du tout, ça dépend vraiment du rythme de ma vie, de ma vraie vie, et donc, comme je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas pieds et poings liés par ma chaîne YouTube, je ne suis pas enchaîné à ma chaîne YouTube, quand je peux faire des vidéos, je le fais, quand je ne peux pas, eh bien je ne le fais pas, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc là, on se retrouve, au moment où je fais cette vidéo, comme je vous le dis, avec de belles arrivées dans le tournoi, et normalement, bah, peut-être certains, comme je vois Nick Fury, Mr. Sinister, ou Annihilus, qui pourrait être de bons défenseurs, la femme invisible, je ne sais pas trop ce qu'elle veut, c'est la femme invisible qu'on voyait annoncer, Captain Marvel, pardon. Donc non, la Captain Marvel en défenseur, je ne pense pas que ça soit une bonne option, mais que sais-je, je crois qu'on a déjà tout ça hein, dans nos défenseurs, au niveau des autres joueurs de l'Alliance, mais bon, on ne sait jamais, hein. C'est peut-être un appel du pied qui pourra me permettre après d'éveiller un champion, Nick Fury, quand il est éveillé, c'est un défenseur de ouf. En plus d'être un attaquant de ouf, c'est vraiment un très très bon champion Nick Fury. Annihilus peut peut-être poser des problèmes à voir. Et puis il y en a d'autres, évidemment. Il y a tous ceux qui sont déjà sortis dans le tournoi. Donc pour cet épisode 60, sur qui vais-je tomber? Une petite domino, je serais pas contre non plus. Non, pas des... Ah non! Mais Mr. Sinister! Mr. Sinister! Mr. Sinister qui peut être un bon défenseur! Alors, est-ce qu'il faut que je les voyais? Non, peut-être pas forcément. J'en parlerai aux officiers de mon alliance. Et je vous parlais des défenseurs, les amis. Et Mr. Sinister peut être un bon défenseur de guerre d'alliance. Incroyable, incroyable. Ça fait partie des nouveaux arrivants dans le tournoi pour cet épisode 60. La baraka continue, les amis. Mais il faut que je fasse mes ouvertures uniquement l'été. C'est ça. Enfin, ça serait pas très bien calculé pour la périodicité mise à jour des vidéos sur ma chaîne. Mais en tout cas... sur cette période de l'été, mais j'ai énormément de chance. Mr. Sinister, qui est un bon défenseur, il a notamment cette faculté à régénérer des coups qu'il prend quasi instantanément, donc on peut lui bloquer les soins, évidemment. Il a également cette faculté de renvoyer les debuffs à l'adversaire sur son SP1. On va aller le voir hein, rapidement, les amis. Ah, ça serait bien de l'éveiller, mais j'ai quand même une belle brochette de champion... mutant, mine de rien. Il n'y a pas un bel équilibre. Je ne vais pas me plaindre de ça, évidemment, vous vous en doutez. Mais il n'y a pas un équilibre qui est vraiment très homogène entre les classes de champions qu'on récupère. Ce qui fait que bah, mes consommables que je vais aller cramer, comme vous voyez, dans du Sabertooth, dans du Iceman, dans du Archangel, dans du Bishop, dans du... Non, les Psylocke, elle n'est que 5R2. Mais voilà, ce sont des consommables, je parle des catalyseurs de classe, hein, qui ne sont pas exploités, enfin, essentiellement, qui ne sont pas exploités, du coup, sur les autres champions. En plus, vous le voyez sur mon tirage, je vous avais dit, j'ai eu récupéré Oldman Logan dernièrement, où je l'avais déjà... Non, je l'avais récupéré au moment où on avait annoncé qu'il allait être boosté. J'ai Colossus depuis quelques temps aussi. Donc voilà, ces choses-là font que... Il va falloir beaucoup de consommables côté mutant pour pouvoir les monter, ces champions. Mais là, je tiens peut-être un défenseur. Je demanderai évidemment à mes officiers et mon leader d'alliance pour voir si ce n'est pas un potentiel nouveau défenseur que je monterai à ce moment-là 5R4. Hein, s'ils me garantissent que... Non, je ne veux pas le level up tout de suite. Calme-toi, juge.
Je veux juste voir les infos pour l'instant. Je suis tellement au taquet là, j'étais prêt à faire le rank-up direct. Donc on voit rapidement, donc régénération moléculaire, c'est ça dont je vous parlais pour sa faculté de régénérer directement quand il prend des dégâts. Concussion, donc ça c'est le traumatisme, donc c'est le fait que, concussion en anglais, c'est le fait que on se retrouve avec 100% de baisse de précision de compétences sur nos compétences, du coup, quand on a ce traumatisme d'appliquer, je crois que c'est 100% pour lui. Il y a cette faculté à étourdir, stun, power leash, donc il peut drainer le pouvoir de l'adversaire, licher le pouvoir de l'adversaire, voler, je crois, tout simplement. Voler le pouvoir de l'adversaire. On va aller voir ses synergies rapidement. Donc il a une synergie avec Câble qui fait que aléatoirement il débute le combat avec 25% soit de taux d'attaque en plus, soit 25% de taux de pouvoir en plus, de gain, hein, j'entends, soit plus 25% de taux d'armure en plus. Donc ça, c'est un petit boost non négligeable qui sert pas en défense de guerre d'alliance, hein, je crois. Hein, tant qu'on n'aura pas les synergies d'appliquer en défense de guerre d'alliance, ça ne me servira pas à grand chose. Donc ça, c'est vraiment c'est pour l'attaque. Mais dans mon mindset actuel, je pense qu'il ira plus, lui, sur de la défense de guerre d'alliance. Avec les deux magnétos, au moment où je fais cette vidéo, il y a la nouvelle variante, je crois, la variante 3, qui s'est lancée il n'y a pas longtemps. Donc, justement, avec ces deux opposés, Magneto classique, le méchant, et Magneto, le Marvel Now, le tout blanc. Donc là, avec eux en synergie, ça lui fait plus 20% de furie passive gagnée quand il y a un désavantage de classe, c'est-à-dire quand il se bat contre des virtuoses, des skills en anglais. Enfin, Bloodline, la lignée. Donc là, quand il est associé aux deux Cyclopes et à Jean Grey, j'allais dire Jean Fonda, et à Phoenix, pourquoi pas? Donc, mais qu'est-ce qui se passe là? Arrêtez de me faire popper des trucs sur mon écran pendant que j'enregistre mes vidéos. Là, j'ai pas allumé le PC depuis 10 jours pour vous dire que je fais pas de vidéos depuis quelques temps. Et là, j'ai des mises à jour qui pop à l'écran. Vous les verrez peut-être pas, hein, mais donc ça pop. La mise à jour de bidule, mise à jour de bachage. Je m'en bats le steak. Laissez-moi apprécier ce moment et vous faire partager ce moment, les amis. Donc là, avec ces trois mutants en synergie, donc les attaques spéciales, les pouvoirs, hein, les SP1, SP2, SP3, ont plus 20% de chance de taux de coup critique et il gagne True Strike. Ah, il gagne coup direct qui ignore bah, l'armure, les résistances, l'évasion, les évasions passives, les auto-blocs. Ah merde. Alors, après, les champions avec qui il est associé sont pas géniaux. Peut-être, ouais, Phoenix éventuellement, disons. Mais, ah, damn it. Ça, c'est bien. Hein. Le True Strike, c'est vraiment le coup direct, c'est vraiment excellent hein, dans les combats pour justement passer outre ces évasions passives qui cassent les bonbons ou les autoblocs, les blocs automatiques. Donc, je n'irai pas l'amener en attaque, mais c'est vrai que quand même, cette synergie, elle est excellente. En plus de donner du taux de coup critique en plus 20%. Et enfin, Mastermind. Donc là, c'est avec les cerveaux du jeu. Hein. Il y a MODOK, il y a Kingpin, le Kaïd, il y a Ultron. Donc, à chaque fois que l'adversaire utilise une attaque spéciale, ils ont un verrouillage de pouvoir, donc ils ont un bloc pouvoir pendant 6 secondes à chaque fois que les adversaires utilisent un pouvoir. Hey, ça aussi c'est pas mal. Bah, je vous dis, je parle de défenseur, mais peut-être qu'en attaque, je m'amuserai un petit peu avec. Allons voir les compétences rapidement, les amis, parce que c'est aussi pour ça que j'étais là, pour vous montrer ses compétences. On ira voir la synergie après, hein, enfin sa compétence, pardon, sa compétence spéciale. Donc là, je ne l'ai pas évidemment, puisque je viens de récupérer ce champion. Donc en passif, Mr. Sinister, le mastery télépathique, donc sa maîtrise de la télépathie, le rend immunisé à tous les taunts et au contrôle inversé. Donc ça, ouais, merde, ça peut être bien en attaque aussi de garde alliance. Du coup, j'ai l'esprit un peu chamboulé là. Donc le taunt, on s'en fout, ça, le taunt, c'est vraiment quand il est défenseur par contre. Ça, c'est bien. Donc il est immunisé au taunt que peuvent avoir par exemple Spider-Man, Speedy Stark, et je crois aussi, je l'ai très peu joué ce perso, mais je crois que Nightcrawler aussi a un taunt notamment, à confirmer, hein, mais il me semble que sur un de ses combos touches, c'est soit Nightcrawler, soit Ronin, je mélange entre les deux, donc a également un taunt, et donc il est immunisé à cela, et les contrôles inversés c'est surtout plutôt en attaque, et ça peut être bien sur des bornes précises. Hey! Donc je l'amènerai peut-être en attaque, peut-être en quête d'alliance, peut-être dans l'acte 6, ou dans des événements spéciaux, quand j'aurai besoin de ne pas me préoccuper des contrôles inversés avec lui, et quand il ne sera pas en défense de guerre d'alliance, s'il est en défense de guerre d'alliance. Donc les pouvoirs télékinétiques de Mister Sinister lui permettent de...
Ah, ils permettent de bloquer les attaques imbloquables. Donc ça aussi, ça peut être utile en attaque, évidemment. Waouh, je suis en train de me dire que champion, il envoie du steak, mine de rien. On dirait pas comme ça, mais il envoie pas mal du pâté, les amis. Donc la régénération passive, cette fameuse régénération qui fait qu'il a 100% de chance de régénérer 70% des dommages reçus par un coup critique sur 0,40 secondes. Donc là, ça peut être contré avec des blocs pouvoir ou autre. Mais en tout cas, de manière générale, s'il se prend un gros crit, eh ben, il reprend instantanément 70% des dégâts infligés par ce gros coup critique. Enfin, ce coup critique tout court, donc ça c'est très bon. Cette habileté, enfin, les habiletés ne peuvent pas modifier cette précision de compétence, sa durée ou sa puissance, qui veut dire que c'est un retour brut qui est non modifiable par les effets des compétences des adversaires. Donc ça c'est également et très, enfin, très excellent. Arrêtons les superlatifs, c'est également super, super de la mort qui tue. Énorme. Arrêtons les superlatifs. Je vais arrêter mes conneries. Et son taux de régénération est augmenté de 1% pour chaque coup que l'adversaire a sur son combo meter jusqu'à 50 coups. What? D'accord. Donc si, admettons, j'ai l'adversaire qui est sur un combo de 40, il met un coup critique, ben, je vais récupérer 70% des dégâts de ce coup critique, plus 40%. Donc je vais dépasser les 100%. What the fuck? Mais c'est énorme. Donc c'est là où je vous parlais du défenseur hein, quand même. C'est aussi pour ça que je vous parlais du défenseur. Donc quand il charge son attaque puissante, il met en pause tous les debuffs, donc tous les dommages des debuffs, il met en pause. Attendez, je comprends pas. La duration of damaging debuff, stun, concussion, and power leash on the opponent. Ah oui, puisqu'il a ces effets-là de renvoyer les debuffs, les dots par exemple, les damage over time. Il a ce fameux stun, ce traumatisme, et le fait de charger son attaque puissante bloque le temps, donc ne fait pas s'écouler le temps de ses debuffs chez l'adversaire. Oh, mais en attaque, oh, je vais le jouer un peu, parce que là, autant je vous dis, je l'ai récupéré en 4 étoiles, je ne l'ai jamais trop expérimenté, parce que bah, y a trop de champions à jouer à côté, puis ça reste un 4 étoiles. Mais là, en 5 étoiles, quand je vois les effets qu'il a, waouh! Oh my god! Donc, charger une attaque puissante pendant une seconde donne un buff de précision qui attaque les coups critiques de 814 pour ce champion-là, hein, non éveillé, pendant 6 secondes 20. Et il y a également un taux de coups critiques additionnel de 814 pour chaque debuff présent sur l'adversaire au moment de la charge de l'attaque puissante. Charger l'attaque puissante aussi pour une seconde donne cruauté, un buff de cruauté, donc ça augmente. Les dégâts. Alors, il y a le taux de coup critique et il y a le taux de dégâts de coup critique, donc pour cruauté. Donc, critical damage rating, c'est le taux de dégâts des coups critiques et critical rating, c'est le taux de coup critique. Donc, taux de coup critique, c'est votre faculté à faire des coups critiques et taux de dégâts de coup critique, c'est les dommages en question que vous appliquez à chaque fois que vous faites un coup critique. Voilà, on va y arriver. Mais c'est bien aussi d'avoir cet exercice de traduction à la fois pour moi et pour vous, comme ça vous permet de voir un petit peu en anglais comment est le jeu aussi, même si vous ne parlez rien à l'anglais, c'est pas bien grave. C'est un peu comme ça pour situer un petit peu, il y a très longtemps en arrière, donc il y a plus de 30 ans en arrière, je dirais même, il y a presque, non, pas 40 ans, il y a 35, 37 ans en arrière, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, les jeux vidéo étaient en anglais. Et donc j'avais un petit dictionnaire en papier, hein, Wikipédia évidemment, vous doutez bien, n'existait pas à cette époque-là, Internet n'était qu'un doux rêve ou alors quelque chose de classé confidentielle défense au niveau de l'armée militaire américaine. Donc on ne savait pas encore qu'on avait ces possibilités de connexion et de communication-là à échelle mondiale, internationale. Et donc bah, j'avais mon petit dictionnaire anglais-français et je regardais à chaque fois qu'il y avait des phrases que je ne comprenais pas dans les jeux. Ben, surtout jouer aux jeux d'aventure, il n'y avait pas ces qualités de jeu qu'on a actuellement maintenant. Ben, je regardais dans le dictionnaire chaque mot et ben, ça m'a appris un petit peu la langue avant de l'apprendre à l'école. Donc voilà, pour l'anecdote, on s'en fout, mais ça fait toujours plaisir de vous raconter des petits bouts de vie comme ça, parce que vous savez, vous avez une personne qui est devant une caméra, qui est en facecam, qui fait le con sur sa petite picture in picture, mais ça reste une personne comme vous, qui a une vie, qui a des mémoires, qui a des expériences, et voilà, là, c'était juste pour ça, parce qu'on me demande parfois pourquoi tu joues en anglais, ben, je réponds pourquoi pas. Et ça me fait travailler aussi mon anglais, parce que j'ai peu l'occasion de le parler, je le parle au travail de temps en temps.
puisqu'on est une entreprise multinationale, enfin, avec beaucoup d'antennes dans différents pays. Mais par contre, je l'écris beaucoup au travail, mais je le parle très peu. Donc c'est bien de pratiquer même en dehors du boulot pour le plaisir. Et donc dans les jeux vidéo, c'est aussi comme ça que j'ai appris l'anglais. Voilà pour l'anecdote. Bon, c'est plus dur d'apprendre le latin hein, par ces mêmes biais, par ces méthodes-là. Déjà en latin, il y en a très peu. Bon, pour des langues mortes, bon, je vous avoue que c'est peut-être plus compliqué. Mais au moins pour l'anglais, ça m'a bien servi. Donc, je continue là-dessus. Les attaques spéciales, le super pouvoir 1, 100% de chance de transférer tous les dommages de debuff que vous avez sur vous, sur l'adversaire. Donc, admettons, on vous a appliqué différents debuffs. Sur le temps, des dégâts sur le temps, et ben là vous les renvoyez à l'adversaire sur votre SP1 et même quand il bloque en fait, donc c'est horrible. ça peut pas être évité, c'est à dire que disability activates even if this attack is blocked or if avoided. Ça veut dire que même si l'adversaire arrive à bloquer l'attaque ou à faire une esquive, vous allez lui renvoyer les debuffs quoi qu'il arrive, 100% de chance, et il n'y a pas de baisse de précision de compétence sur cet effet-là. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en défense, il peut être assez chiatique à mon avis. 100% de chance de causer dégénération, donc il inflige des dégâts directs, des dégâts sur le temps, donc à hauteur de 4 secondes, et 424 de dégâts. Le SP2, 100% de chance d'infliger traumatisme, concussion, c'est traumatisme en anglais, qui réduit donc la précision de compétence de l'adversaire de 100%, c'est bien cela, pendant 6 secondes. C'est pas une énorme durée, mais c'est toujours ça de prix, en attaque, j'entends, hein, quand vous jouez en tant qu'attaquant. Et cette habilité s'active, ah si, c'est ça qui est bien, c'est qu'il a cette faculté, Mr. Sinister, à traverser les défenses de l'adversaire. Donc ça veut dire que son SP1, son SP2, même si l'adversaire bloque ou est un champion de l'esquive, de toute façon, il va se prendre ses debuffs, il va se prendre l'application de ses effets dans la tronche. Et ça, c'est excellent. En plus, 100% de chance d'étourdir pendant 2 secondes 5. Eh, mais je commence à récupérer des champions de ouf, là. Waouh ! Et désolé d'avoir cette chance, les amis, mais ça fait du bien après ces quelques mois de galère, là, d'avoir cette chance dans les tirages. Et là, je dois avouer que ça me donne presque envie, bon j'ai pas de gemme d'éveil, hein, mais ça me donne presque envie d'aller voir sa compétence spéciale et de voir ce qu'il mérite ou pas d'être réveillé ce champion-là. Spécial attaque 3, donc super pouvoir 3, 100% chance d'infliger encore une fois un traumatisme, mais cette fois à hauteur de 12 secondes, 100% chance d'appliquer Power Leash donc à la cible qui vole, donc c'est un vol de pouvoir qui vole 20% du pouvoir max de la cible pendant 3 secondes, c'est un superbe champion. Waouh! Waouh, allons voir rapidement sa version. Au moment où je fais cette vidéo, donc vous pourrez vous situer dans le temps, je pense qu'il y aura encore 3 semaines, peut-être un mois de décalage avant que je la publie. Peut-être que je la publierai un petit peu plus rapidement. Mais allons voir la version éveillée 4 étoiles que j'avais récupérée en arène à l'époque, en arène à la une. Donc là, cette fois-ci, on a des charges persistantes, d'accord, perfection d'ingénierie, d'ingénieur, je sais pas, là, Engineered Perfection. Ingénierie, je ne sais pas quel est le mot en français, vous me le direz quand vous irez regarder dans la version. Autant je le comprends en anglais, autant j'ai pas l'équivalent en français parfois. Donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la version française. Là je pourrais le passer en français, mais on va éviter. Hein. Donc à chaque fois que Mr. Sinister bat un adversaire, il extrait son code génétique, il gagne ainsi différentes habilités et compétences passives pour le reste de la quête en cours. Donc ça veut dire qu'en attaquant, oui c'est confirmé, il peut être un bon attaquant également. Et ça dépend de la classe de champion qu'il a battu. Il peut avoir 3 effets, 3 stacks de chaque, et donc 10 passifs au total. Donc s'il bat un mutant, après il gagne prouesse, ce qui fait que ça augmente les dégâts de ses attaques spéciales, de ses super pouvoirs. Donc pour 10% presque quand il est au level 20 de sa compétence spéciale, par stack hein, j'entends, avec ce maximum de 3 de chaque. S'il bat un skill, donc un virtuose qui doit arriver très souvent, là, cette fois-ci, il gagne de la précision, donc c'est pour le taux de coup critique, donc autour de 162 pour mon niveau. Pour un science, du regen ray, donc très bien, il augmente sa faculté de régénérer quand il se prend ses dégâts critiques. Hein. Donc là, c'est à hauteur de 8% par stack. Contre un mystique, là, c'est le taux de pouvoir, donc on augmente le taux de régénération de pouvoir de 8 points également par stack. Donc ça peut monter à 24 pour ce champion-là, qui est 4 étoiles, rang 3. Et à 20 de sa compétence spéciale. Je pense que si la compétence spéciale augmente, ça sera d'autant plus élevé. Également sur la version 5 étoiles éveillée, hein, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et donc les mystiques, c'était ça. Et enfin les cosmiques, c'est la furie qui augmente, donc le taux de dégâts d'attaque.
Et ça, c'est à hauteur de 69 par stack. Ok, et il n'y a pas de gain évidemment contre les techs, parce qu'en général, c'est vraiment la classe, c'est le némésis des mutants, et donc il n'a pas d'effet bénéfique, même s'il bat un champion tech dans une quête. Bah écoutez les amis, c'est un très bon tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. C'est vraiment, là, j'ai une période depuis le 55 ou le 56, depuis l'épisode 55 ou 56, j'ai une très très belle série. Et là, ça se confirme encore avec cet épisode 60. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous la découvrez. N'hésitez pas à cocher la petite cloche, hein, comme ça vous saurez quand je suis connecté en live ou quand je publie cette vidéo de tirage. Le rating, comme d'habitude, c'est vous qui le choisissez. Et puis, bah, je vous souhaite de très belles openings, au moins aussi bonnes que les miennes. Je me demande s'il va aller en défense de Garde Alliance, la suite au prochain numéro. Je demanderai évidemment aux officiers de mon alliance, mais en tout cas, en attaque, je vais m'amuser un petit peu avec lui. Je vais aller le tester sur certaines épreuves pour voir ce qu'il vaut ce Mister Sinister. C'était juste Fred sur Marvel Tour les Champions pour l'épisode 60 de ma série d'opening de cristaux de héros 5 étoiles. A très vite les amis, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Peace!